mon nom c'est Joachim. Mon urban craft, c'est de faire des chaussures entièrement à la main, du début à la fin. Mode et design. Je voulais pas faire de la mode et je voulais pas faire de design, donc la chaussure, c'était le milieu entre la mode et le design. Qu'est-ce qui m'intéresse, c'est la construction. Pour moi, l'esthétique découle juste du fait qu'elle soit bien construite. Donc tout ce que j'essaie de faire, et c'est pour ça que je l'ai fait à la main et je ne l'ai fait pas en usine, qui ont une technique précise, c'est en les faisant moi-même à la main, je peux modifier du début à la fin toute la construction. Toutes les grandes marques, et les trois quarts, si pas les 9/10 des marques de chaussures, s'adaptent à une industrie. Donc ils sont obligés de faire de l'esthétisme par rapport à une technique qui existe. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est pas de faire cet esthétisme-là, c'est de travailler en amont sur la technique et du coup d'avoir une esthétique différente qui vient de là. Ici, nous, sur cette collection-là, on a travaillé sur une toute nouvelle technique pour, à partir d'une seule pièce, avoir la chaussure. Donc c'est une pièce à plat qui est coupée, donc rapide et efficace, et juste avec un système d'emboîtement à l'arrière qu'on vient, clac, on forme notre chaussure, on a le double épaisseur de cuir qui nous fait un renfort automatique, et on n'est pas là avec 15 pièces comme dans une chaussure normale, mais juste avec une seule pièce. Directement, je prends ma forme, je prends mon cuir, je prends du papier et j'attaque la matière. J'ai appris de deux façons. La première, c'est chez un maître en Espagne qui m'a appris les bases de comment on faisait la chaussure, mais classique. Et à partir de ces bases et d'avoir mis les mains dans la matière, c'est en faisant, quoi. En faisant, en regardant pas mal sur Internet aussi, plein de vidéos, en discutant avec des gens et en essayant.